c'est pas cool que tu veux jamais me faire. Comme je disais sur Snap, on retourne voir la maison ce matin. Donc je vous referai voir s'il y a eu du changement. On va surtout présenter la maison à Louise et Margot parce qu'elles ne l'ont jamais vue en fait. À chaque fois qu'on faisait les visites, elles étaient chez la... Enfin si, Margot l'a vue, mais Margot est trop petite. On met le casque, hein? T'es sur ton trike? Il est bien ton trike, hein, mon cœur, hein? On dirait que t'as une petite tête d'œuf. Crie pas. Chut. Papa, il parle. Papa, ils parlent aux voisins, ils arrêtent plus. Ils arrêtent plus. Chut, ta soeur est dehors. Mais regarde, regarde ce que t'as fait. Regarde, regarde. Non, c'est pas l'échelle qu'on pousse. Regarde. Allez. Le voisin, il est très très gentil, mais il parle aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chut. Papa. Chut. Papa. Chut. C'est des grosses cuillères, ça. Non. 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 Louise, tu avales. Attention, ça tombe. Ta cuillère. Ta cuillère. Dans la bouche, la cuillère. Vite. Regarde, par contre, c'est quand on... Je vais pas vous montrer, mais... Si, si, non. J'étais en train de rire et Stéphane m'a dit « J'aimerais trop te filmer avec tes haricots plein les dents. » Ok. 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 Toi aussi, ça te fait marrer? Tu t'amuses bien avec Sophie? Non. Ah. Regardez le petit bracelet qui vient de chez Dorian. Pour Marco, bon, il lui va encore grand, du coup on attendra. Sa sœur a le même, exactement le même, avec le cordon rose, que je vais d'ailleurs aller faire changer parce que avec l'usure, elle l'a fait quand même depuis la naissance. Elle l'avait porté depuis la naissance parce qu'il était un peu plus petit, le bracelet. Il s'est cassé en fait. Le cordon s'est cassé, mais Louise faisait que tirer dessus quand elle avait mal aux dents. Du coup, je vais le faire réparer, elles auront le même. En fait, c'est maman qui te fait rire. Ah oui, et ce tapis-là aussi, on s'en sépare. Donc, je vous dirai ça. On se sépare aussi de ce petit banc-là. Je me suis refait 2-3 ondulations avec le fer d'hier. En fait, maintenant, j'ai pris la main. C'est trop facile. Et la question... Oh, t'as le soleil dans la tête, toi? La question qui revient tout le temps, le rouge à lèvres,
Je vous le donne tout de suite parce que je les ai pris avec moi. J'ai pris les trois que je préférais mettre de cette gamme-là. Je vous donne les références. C'est la marque Banana Beauty. C'est ceux que j'ai reçus là depuis quelques semaines. Je vous parle que de ceux-là. Et c'est les seuls que je mets en fait. C'est des rouges à lèvres liquides. Ils tiennent super bien. Ils sont sans transfert. Enfin, ils tiennent super bien. Si vous mangez, ils s'en vont. Mais il vous suffit juste d'en remettre. Hein. Mais ils sont super bien. Regardez, bisous. Mouah. Pas de traces de rouge à lèvres. Enfin bref, ils sont super beaux. Il y a une gamme mat et une gamme scintillant. Mon préféré, c'est celui-ci de la gamme mat. Et j'en ai deux de la gamme scintillant que j'adore. Regardez. Qu'est-ce qu'elle... Non, attends, maman, elle monte d'abord. Maman, elle monte d'abord. Attends, attends. Non, tu sais les ouvrir en plus, toi. Va demander à papa. Tu peux lui en donner un autre, s'il te plaît, dans ma trousse à maquillage. Un quoi? Un rouge à lèvres, quelque chose. Je vous montre celui que j'ai sur les lèvres, c'est celui à droite. Celui qu'à Louise m'a porté, c'est un qui est un poil plus foncé. Celui que j'adore mettre, c'est celui-ci, là, tout à gauche. C'est un genre de beige, un peu nude, scintillant. Je le mets souvent, vous le voyez souvent sur mes lèvres. Celui-ci, je l'ai mis que 2-3 fois, mais pareil, j'adore. Il est scintillant. Enfin, bref, ils sont trop bien. Je vais vous donner les références. Donc, celui que j'ai sur les lèvres, c'est celui-ci. Aïe ! Donc, je vous mets le lien, tiens. Je vous mets le lien du site juste en dessous. Celui-ci, la référence, il s'appelle Dame Girl. Je vous l'écris. Et profitez, il y a moins 25% sur tout le site avec le code Alexia25. Il fonctionne toujours. Je l'ai essayé. Dame Girl. Regardez. Dame Girl, t'es rien, Dame Girl. Dame Girl, t'es rien, Dame Girl. Dame Girl, t'es rien, Dame Girl. Mon Dieu, c'est pas possible, hein. Je vous donne aussi la référence des deux là qui sont super jolis. Vous avez plus qu'à screener. Doucement. Voilà, moi j'en suis vraiment satisfaite. Je les trouve vraiment jolis. Et en plus de ça, ils n'assèchent pas mes lèvres. Et d'ailleurs, ça se voit quand je fais des vidéos, tout ça. Vous voyez que ça fait pas plein de gerçures en fait, ça fait les lèvres toutes lisses, toutes douces.